Des centaines de jeunes de bois qui ont été sensibilisés dimanche 23 janvier 2022 sur les dangers de la migration irrégulière au cours d'une caravane de sensibilisation initiée par l'association Salam Côte d'Ivoire avec le soutien de l'ONG Jeunesse panafricaine au centre culturel Jacques Aka. Selon le président de cette organisation, cette caravane de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet Mobilisation sociale contre le fléau de la migration irrégulière en Côte d'Ivoire. L'objectif est de réduire la migration irrégulière au départ de la Côte d'Ivoire par l'information, la formation et la sensibilisation par un engagement citoyen. Il s'agit concrètement des informations fiables sur la réalité des mouvements migratoires irréguliers vers l'Europe auprès des jeunes et de les mettre à contribution pour barrer la route à la désinformation. Les jeunes qui ont pris part à cette séance de sensibilisation ont salué cette initiative de Salam Côte d'Ivoire qui les ont permis de s'informer sur le phénomène de l'immigration irrégulière qui fait beaucoup de victimes parmi la jeunesse africaine. Des prestations de chants, de poèmes et de slams ont été utilisées pour faciliter la sensibilisation.